Hey, la forme, salut. Écoutez, aujourd'hui on va s'entraîner différemment. Là je m'en vais à 2-3 km d'ici faire une grosse session crossfit, essayer de m'entraîner sur une méthode que je connais pas forcément. Donc on va voir ce que ça va donner. Hey, il est midi 10, on a rendez-vous à midi et demi, on est dans les bouchons, il fait 30 degrés à l'ombre. On est pas mal là, on est pas mal. Salut non, Mathieu. T'es prêt pour de la séance de crossfit? Non. Ça sent la grosse session été. On s'est dit, entre ceux qui n'ont pas de cheveux qui les blonds, on va jamais s'en sortir. Donc on est bien sûr 8, 8 et 8. Ça, c'est jusqu'à là, c'est facile. Pour le côté psychologique, ce que vous pouvez faire, c'est que vous enlevez 1 et vous rajoutez 1. Donc en fait, la série, vous faites 9, 8 et 7. C'est la fin, c'est fini, il n'y a plus rien après. Une, allez, pousse dans les jambes. La dernière, pousse. Yes. Allez, allez, tout de suite, descends. Terminé. Bon, ça y est, fin de séance. On a pris le temps de récupérer un petit peu, on a repris le souffle et nous voici en compagnie de Romu, le gérant des lieux. J'aimerais dans un premier temps que tu te présentes un petit peu pour toi et ton parcours. Bah moi c'est donc Romuald en fait, ça fait maintenant 22-23 ans que je suis dans le métier. Ça fait 20 ans de fitness et muscu et 2 ans au niveau d'ici sur un espace consacré uniquement sur la prépa physique pendant 2 ans. Et on est passé donc CrossFit depuis le mois de juillet, donc ça fait affilié. Okay. Ça fait 4 mois, mais voilà, 20 ans dans le fitness et le sport. Maintenant que tu as ouvert une box, comment tu décrirais les bienfaits du crossfit pour un pratiquant qui a des objectifs sportifs, quels qu'ils soient, hein. Les bienfaits du crossfit que l'on fasse aujourd'hui, c'est ce qu'on n'arrive pas à dire à tout le monde en fait, qu'on soit aujourd'hui dans une salle crossfit, ou que les gens fassent du fitness dans notre établissement, avec même des
cours comme les Smiths proposaient ou d'autres cours traditionnels, en fait les bienfaits sont grosso modo les mêmes. La seule chose que CrossFit rapporte en plus à ça, c'est en fait c'est plus un état d'esprit et une méthodologie de travail qui dit qu'on doit travailler aussi bien sur la musculation que sur le cardio, que sur la gymnastique. Et nous on essaie de travailler les gens dans ce qu'on appelle des mouvements fonctionnels, en fait c'est notre base, hein, c'est l'entraînement fonctionnel, sur des mouvements de la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne se cantonne pas sur des petites amplitudes, parce que par exemple les gens ont toujours besoin d'aller chercher quelque chose en l'air, de chercher quelque chose par terre. C'est pour ça qu'on prône en fait la pleine amplitude. On a besoin des roues de voiture à réparer, on a quatre pattes devant la roue, on doit lever quelque chose. Donc nous on lève, on pousse, on tire, on s'accroupit, on se met debout. C'est juste pour que les gens soient plus actifs dans leur vie de tous les jours. Ça répond un petit peu à la prochaine question, mais j'aimerais bien que tu peaufines à la limite. C'est-à-dire que moi, je me demandais à qui ça s'adresse. Donc, vu qu'on a tous besoin des gestes du quotidien, comme tu disais, on va dire un peu tout le monde. Maintenant, est-ce qu'on peut casser les idées reçues et est-ce que c'est qu'un public de barbus avec des gros bras ou parce qu'on a fait un WOD aujourd'hui. Ouais. Je vois pas tous mes pratiquants capables de réaliser ça. En fait, l'activité qu'on a faite aujourd'hui, donc le WOD qu'on a fait aujourd'hui, en fait, la différence qui va se passer entre les gens novices et les gens avancés, en fait, ça va être la charge. Là, aujourd'hui, on avait des gens qui avaient l'habitude de pratiquer du CrossFit, qui ont peut-être une condition physique moins importante que toi en tant que coach ou que d'autres personnes, mais qui avaient plus lourd sur la barre. Parce qu'en fait, ils ont plus l'habitude de s'entraîner dans l'activité CrossFit. Et on avait à l'inverse des gens qui avaient des petites barres de 20 kg et la barre la plus légère était à 15 kg pour les filles. Ça veut dire que si les gens ont des barres de 15 kg et des wall balls de 4 kg, et avec une hauteur moins lourde, avec des pompes posées sur les genoux, en fait, c'est ce qui va faire que l'adaptabilité de l'effort va permettre aux gens novices en fait de faire l'activité. En fait le CrossFit, et on fait l'amalgame souvent entre l'activité CrossFit et les CrossFit Games. L'activité CrossFit commerciale, souvent c'est les CrossFit Games. Et les gens ils s'imaginent que c'est voilà, c'est ça, c'est des barbus, des tatoués, des muscles de tous les côtés, même les filles. Hein. Quand tu regardes les vidéos, c'est impressionnant. Mais la base du CrossFit en fait, ça reste quand même une activité, ce qu'on appelle nous un continuum santé. C'est d'emmener les gens d'un état pas malade, mais d'un état de bien-être, un état de fitness. En fait, c'est ce qu'on a écrit au niveau du tableau. Okay. En fait, donc comme dirait CrossFit, en fait, comme dit Monsieur Glassman, qui est le fondateur du CrossFit, en fait, nous, c'est de les emmener d'un état, on va dire, pas trop actif, à un état fitness, en fait, un état de bien-être. Et même après, pour les gens qui pratiquent, nous, le but, c'est d'ailleurs, voilà, aujourd'hui, tu as fait le WOD qu'on a fait là, tu l'as fait en tant de minutes, mais dans 6 mois, tu vas le faire en 2 fois moins de temps. Ça me fait rebondir sur la dernière question. Tu vas essayer de te remettre 20 ans en arrière, ouais. Quand tu faisais que de la fonte. Ouais. Peut-être si t'es passé. Nous, notre page, elle est un petit peu la communauté qu'on essaye de fédérer. C'est des gens issus du plateau muscu, ouais. Dans tout type de salle qu'on peut retrouver sur l'île de la Réunion. Maintenant, est-ce que sur les programmes basiques de prise de masse, où on est sur des séries, 4 séries de 12, etc., tout ce qui peut exister, qu'est-ce que tu penses de l'association avec le CrossFit? Est-ce qu'on peut optimiser nos résultats et peut-être atteindre nos objectifs plus vite entre guillemets? Ou est-ce que ça n'a rien à voir et laissons les musculer sur le plateau et tu vois ce que je veux dire? Ouais, on a un problème au niveau des maintenant, au niveau nous des méthodes. Moi qui pratique depuis longtemps, hein, que ce soit des méthodes de force ou des méthodes de volume. Ou en fait maintenant les méthodes qui étaient préconisées à l'époque ont vraiment changé. Parce que tu vois maintenant les mecs qui font des méthodes de volume pur en fait, hein, c'est plus du tout ce qu'on faisait avant. Moi quand j'ai connu le volume, on disait ouais, il fallait faire 10 x 10, maintenant les gens ont raccourci beaucoup. Et en fait le CrossFit est basé sur un petit peu un travail empirique. Il n'y a pas d'études prouvées pour dire que ça et ça c'est bien. Mais physiquement et visuellement, on voit que les gens progressent sur ça et ça. Moi je dis toujours toi que j'ai fait 10 ans de salle. Quand j'ai commencé le CrossFit, bon j'ai 47 ans. Hein. Donc quand j'ai commencé en fait le CrossFit, j'avais un max développé couché, j'étais à 110. En m'entraînant tous les jours, enfin 2-3 fois au niveau de la salle, on faisait que ça. Très peu de cuisses, parce qu'en général en salle, on fait très peu les cuisses. Et ouais. Bon. Ça fait 2 ans et demi que je pratique. Aujourd'hui je suis à 125 en bench press. Et je suis à 100 kg squat plus par terre. Bah, ma progression, elle est peut-être moins importante qu'un mec en salle qui va faire attention
Bon, toi, j'ai des amis qui pratiquent, qui ont fait des compétitions il n'y a pas longtemps, qui vont se consacrer que sur l'entraînement de salle, la bouffe et la méthode. Ils vont aller beaucoup plus vite parce que là, on a le cardio, donc c'est la fatigue est dure à gérer, c'est compliqué. Mais quand tu vois des gens qui s'entraînent régulièrement, qui font attention à l'alimentation, moi j'ai des mecs ici, les mecs quand ils s'entraînent, tu les regardes, tu dis waouh, ça peut suffire. Ah oui, oui, moi j'ai des mecs là, un jour je te dis bah tiens, venir, tu reviens à faire le même truc et je t'en mets 3-4 ici qui s'entraînent régulièrement, qui font attention à leur bouffe. Les mecs qui s'entraînent, tu les regardes, tu les mets en salle ou sur un plateau muscu ou même là un main physique. Les mecs, ils se disent bon, là, ils finissent pas mal, sans être spécifique à ça. Vraiment bien. Après, c'est vrai qu'on n'a pas de banc, on n'a pas de bar. Mais tout travaille tout le temps. D'accord. Bon, écoute, je pense que on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait savoir. C'est cool. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. Ton accueil. J'écoute, au plaisir. À bientôt.